Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage du quotidien. Je vais vous parler des quelques astuces et conseils pour réussir à s'imposer une routine afin de garder sa maison propre et rangée tous les jours. Aimez la vidéo si elle vous plaît, commentez, partagez. Abonnez-vous si le contenu de cette chaîne vous intéresse. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Merci infiniment d'être là. On va démarrer notre vidéo. Alors, je vais commencer par ma chambre. J'aime bien commencer par ma chambre parce que quand il est juste rangé, ça me fait du bien et ça me motive pour la suite. Alors, je voulais qu'on discute un peu sur comment réussir à créer une routine ménage du quotidien. Parce que quand vous n'avez pas de routine, c'est très compliqué. La routine est quelque chose de très important que vous devez vous imposer pour vraiment réussir si votre objectif est de garder votre maison propre tous les jours. Alors, créer cette routine ménage est très, très important pour maintenir la propreté au sein de votre maison et aussi pour réduire ou carrément éviter le stress. Le désordre, la saleté, ça vient avec beaucoup de stress. Donc, le ménage du quotidien peut être très simple, mais c'est vraiment efficace pour rester productif durant toute la semaine et pour être même de bonne humeur pendant toute la journée. Ces tâches ménagères peuvent être très faciles, comme juste faire la vaisselle, essuyer les comptoirs, passer un peu l'éponge sur la table, passer l'aspirateur au quotidien dans votre maison. Désinfectez vos cuvettes, par exemple quand il y a les pipis, vous essuyez tout simplement avec des lingettes désinfectantes. En tout cas, c'est très important pour garder la balance. Dans ma chambre au quotidien, c'est juste faire le lit, essuyer les poussières, essuyer les miroirs s'il y a les taches. Et puis mon assistant ménage va m'aider à passer l'aspirateur, mon robot rock va aspirer un peu partout sur les tapis comme sur le sol dur. C'est très efficace. Alors, j'ai aussi pris mon essuie des pieds pour la douche que je vais nettoyer parce que ça commence à devenir sale. Pendant que j'étais dans la buanderie de l'autre côté du salon, la petite Josie a commencé à m'aider en ramassant les jouets. J'ai trouvé ça trop cute et puis je vais la record. J'étais très contente. Elle fait souvent ça. Quand elle te trouve en train de nettoyer, elle essaye d'aider même sans que tu demandes. Elle est trop gentille. Donc, elle m'a aidé avec les jouets et moi, je vais essuyer les taches qu'il y avait sur mon canapé et puis je vais remettre les oreillers en place. Ça, c'est pour les mamans débordées comme moi et l'habitude d'écrire vos tâches ménagères. Moi, tous les jours, je mets par écrit mes tâches ménagères du jour. Donc, c'est vraiment pour me permettre de garder les choses rangées et ne pas me perdre dans les programmes. Parce que quand je n'écris pas, je touche à tout et à la fin, je m'embrouille. Mais quand j'ai les choses par écrit et je réalise quelque chose, je coche, ça me fait du bien et ça me pousse à finir la liste. Et même quand je finis pas la liste, je renvoie au jour suivant. Mais l'essentiel est quand même avoir la possibilité de track les ménages que vous devez faire. Salon terminé, au bout de quelques minutes, quand vous faites les ménages régulièrement, parfois il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Donc, dernièrement, j'ai vu un short sur YouTube, j'ai vraiment rigolé parce qu'il y avait une dame qui disait elle n'arrive pas à regarder les vidéos des ménages parce que ça la stresse. Elle a comme l'impression que les gens nettoient des maisons déjà nettoyées. Donc, généralement, les gens qui font des vidéos ménage, ce sont les gens qui sont passionnés par le ménage. Ce sont les gens qui font régulièrement les ménages. Donc, quand vous le faites régulièrement,
vous n'avez pas beaucoup de trucs, surtout quand vous n'avez pas des enfants en tout cas, et que vous faites votre ménage régulièrement, vous aurez l'impression que la maison est toujours propre. C'est juste la discipline. Faire le ménage au quotidien, ça facilite beaucoup la vie. Et voilà, vous avez juste au moins des choses à faire tous les jours. Donc moi, depuis que je suis maman, je fais l'effort de faire les ménages tous les jours. Avant d'être maman, je pouvais faire jusqu'à une semaine sans rien faire dans mon salon. Mais avec les enfants, tu as quelque chose à faire au moins tous les jours. Donc je me rappelle qu'avant d'être maman, je nettoyais plus la cuisine, ma chambre et la douche. Le salon était presque toujours propre. C'était vraiment presque toujours propre parce que les grandes personnes ne salissent vraiment pas. Je me rappelle que l'entrée, peut-être, je pouvais passer l'aspirateur au quotidien, surtout pendant l'hiver avec le sel là et tout, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses. Mais quand vous avez des petits-enfants, je les appelle les producteurs des messes. Donc, ils produisent la saleté et la maison est en train de fonctionner en fait. Il faudra garder aussi les ménages dans votre programme du jour. Voilà. Regardant ces images, vous avez comme l'impression que la maison est déjà propre. Mais si vous entrez dans ma maison, en vrai, vous allez remarquer qu'il y a des miettes de nourriture sur les comptoirs. Vous allez remarquer que ma plaque de cuisson est sale. Et si vous ouvrez mon micro-ondes, vous allez trouver des taches de nourriture. Si vous regardez mon frigo, vous allez trouver des taches des petits doigts. Donc voilà. La maison, elle fonctionne, donc il y a toujours à faire, il y a toujours la saleté. Faire le ménage au quotidien, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de garder votre maison propre au quotidien. Il m'arrive de négliger parfois quand je suis fatiguée, quand je suis malade ou quand je suis débordée par d'autres choses en dehors de ma maison. Donc, il peut y arriver que je lâche prise, mais quand j'ai un peu d'énergie, je m'élance et puis je remets tout en ordre. Et je suis aussi habituée au rythme. Donc le ménage, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Et voilà, c'est comme quand on mange. Donc on mange tous les jours. C'est pas parce que tu as mangé hier que tu n'auras pas besoin de manger demain. Donc tu as mangé hier, aujourd'hui tu vas manger et demain tu vas encore manger. C'est la même chose avec le ménage. Tu as nettoyé hier, tu vas nettoyer aujourd'hui et demain. Il y aura quelque chose encore à nettoyer. Je l'ai dit toujours dans toutes mes vidéos, chaque ménage est différent. Donc, nos vies sont différentes, nos occupations sont différentes. Donc, faites ce qui marche pour vous. Commencez tout simplement et notez ce qui marche pour vous et pour votre famille et faites-en une routine. Plus vous suivez la routine, elle va s'imprégner en vous et elle fera partie de votre journée. Pendant que j'essuyais ma plaque de cuisson, j'ai remarqué que les trucs là des couteaux étaient sales. J'ai essayé d'essuyer, mais les huiles n'ont pas quitté. Du coup, j'ai décidé de bien frotter avec l'éponge. Et
ma pâte nettoyante là de Dollar Tree et puis je vais bien essuyer. J'ai pas mis l'eau à l'intérieur. J'ai rincé ça de façon que l'eau ne rentre pas à l'intérieur comme si on boit. Je vais essuyer et puis remettre les couteaux en place. Donc les petits ménages dès tous les jours, ça vous permet juste de garder les choses en ordre et les choses propres. Voilà, c'était pas prévu que je puisse nettoyer cette histoire-là, mais en faisant les ménages, j'ai remarqué que le coin là avait besoin d'aide et j'ai enlevé les trucs, j'ai nettoyé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous faites les ménages au quotidien, vous touchez à des choses que vous n'avez peut-être pas prévues et cela vous permet de réduire aussi le désordre, de réduire la saleté ou de réduire les taches, par exemple, très visibles sur des histoires autour de la maison. Ça, c'est vraiment très important. J'appelle ça les petits gros ménages de tous les jours. Donc, quelque chose d'imprévu, mais que vous faites faire au bout de quelques 3-4 minutes et vous allez le faire encore après, peut-être un mois ou après 2 mois. J'ai dit ça dans mon récent short sur YouTube, que les désastres est juste insupportable pour moi. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est juste trop dur pour moi de faire semblant ou d'ignorer les désordres autour de ma maison. Voilà, ça me dérange tellement que même sans le vouloir, je vais me retrouver en train de ramasser les jouets et les remettre en place. J'aime l'ordre parce que ça calme mon esprit et ça me permet d'être de bonne humeur. Moi, la poubelle, c'est quelque chose que je vide tous les jours. Que ça soit plein ou pas, moi, je vide. Je ne peux pas dormir avec ma poubelle qui a le foufou et le pondou et les poissons salés à l'intérieur. C'est juste pas possible. Même quand c'est pas plein le soir, on sort la poubelle. Voilà pourquoi j'aime pas avoir une grosse poubelle parce que ça sera une perte pour les bagues là. Donc, je sors la poubelle tous les jours et souvent c'est mon mari qui le fait. Moi, je peux enlever et je dépose à côté ou je mets à la porte au garage et lui, quand il sort avec et c'est comme ça tous les jours. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut mettre une très très grosse poubelle dans la cuisine. Moi, ça se fait pas en fait. J'ai pas envie de laisser la poubelle dans ma maison traîner et surtout à cause des enfants. Il y a parfois des pampers, des bébés, même si je mets ça dans le sachet avant de mettre dans la poubelle, mais on ne peut pas juste dormir avec les pampers à la cuisine. Voilà, il faut sortir ça au moins tous les jours et c'est ce que je fais en fait. Donc là, j'avais aussi nettoyé mon banc de la cuisine. J'ai déjà sorti les chaises qu'il y avait là avant parce que le site s'était vraiment gâté, ça s'était abîmé. Je pense déjà à remplacer mes chaises de la cuisine, mais en attendant, comme j'avais le banc là, c'est ce qu'on utilise pour le moment dans ma cuisine. Ce ménage était filmé le dimanche après-midi et généralement le dimanche, c'est le jour où je restocke aussi les nourritures. Donc c'est ce que je vais faire là.
mettre les boîtes de nourriture dans mon étagère là, je vais passer un coup d'éponge parce que il y avait un accident qui s'était fait ici. Je sais pas, il y avait mon bidon d'huile rouge qui avait un petit trou et l'huile rouge s'est retrouvée un peu partout. Donc j'ai essuyé. Ensuite, je vais remettre les boîtes de nourriture en place. Alors, si vous n'avez pas votre cloche de notification activée, activez-la parce que à la fin de cette semaine, on va déjà commencer avec notre série de vidéos de Noël. Donc, je ne sais pas si je vais commencer par le hall ou si je dois commencer par le gros ménage avant la décoration. Je ne sais pas exactement, mais cette semaine déjà, on va commencer avec notre série des vidéos de Christmas. J'ai terminé à faire le petit rangement. J'avais un panier qui me regardait avec les yeux des colères juste à côté dans ma buanderie là. Et je me suis dit que je plie ça carrément. C'était les covers de ma salle à manger. Je vais les plier et je vais les mettre des côtés. Comme ça, le panier reste vide. Donc, les toilettes étaient faites le samedi. Donc, j'étais sortie le samedi soir et la journée, j'avais fait les toilettes et j'avais changé les draps pour tout le monde, pour mon lit et pour les lits des enfants. J'ai fait aussi les toilettes et le dimanche soir, j'ai fait le reste des ménages. Donc, je dis toujours à mon mari que avant, je pouvais faire toute la maison en un jour, mais pour le moment, j'ai plus l'énergie pour faire ça. Donc, je fais les ménages par partie. Quand c'est les gros ménages de week-end, je divise ça en deux. Et je ne sais pas pour vous, mais vraiment moi, après trois enfants, je sens que mon énergie a sensiblement diminué. Parce qu'avant, je pouvais faire le ménage du matin au soir sans me fatiguer. Mais pour le moment, c'est juste impossible. Les mamans, dites-moi si vous avez la même expérience. Mais moi, je ne peux plus faire le ménage du matin au soir. Je peux faire le ménage entre 2 à 3 heures, voire même 4 heures, mais pas plus que ça. Après 3, 4 heures de ménage, je suis juste KO et j'arrête pour faire le reste le jour suivant. Dites-moi quelle est votre expérience. Impatiente de poser mon nouveau tapis. Donc j'ai deux tapis pour mon salon qui était au garage, mais j'étais juste fatiguée de voir les mêmes tapis. Il y a un qui a plus de 2 ans et l'autre a plus d'un an. Et je voulais juste voir quelque chose d'autre. Donc je me suis acheté un nouveau tapis que je vais installer ou poser avant de commencer ma décoration de la Noël. Donc j'ai vraiment hâte. Le petit tapis là, ça vient de la chambre de Cassie. Donc quand je vais poser le nouveau tapis, le petit là va rentrer à l'étage dans la chambre de ma fille. Je suis montée à l'étage, donc les lits étaient propres. Je vais juste passer l'aspirateur, mais avant ça, j'ai tenu à réinstaller les rideaux dans les deux chambres de Cassie et de Guéry parce qu'ils avaient cassé ça pendant l'été. Je sais pas, ils jouaient ici, leur joie était au zénith et puis ils ont tiré les rideaux, que ce soit dans la chambre de mon fils et de ma fille. Il n'y avait plus de rideaux. J'étais fâchée. J'avais dit que ça reste comme ça. Je vais remettre les rideaux quand l'hiver va arriver. Alors là, il fait déjà un peu froid. Et ils ont juste besoin des rideaux parce que je ne veux pas qu'ils tombent malades avec le froid quand ça prend aux fenêtres. Voilà. Thank you.
après avoir installé les rideaux, je vais mettre la peinture là où il y avait des petits trous, des clous, voilà, qui se faisaient voir. Juste avec un peu de peinture concentrée, ça arrive à couvrir les petits trous là et vous n'allez vraiment pas voir des dommages sur le mur. Sujet, le temps que je passe l'aspirateur dans la chambre des Cassie avant de passer à la chambre des Gary. Donc, si tu ne sais pas par où commencer et que les ménages c'est quelque chose de très ennuyant pour toi, il faut commencer par des petits trucs. Commence par des petites choses comme ramasser les histoires au sol et avoir l'habitude de remettre chaque chose à sa place quand c'est au sol. Par exemple, les jouets des enfants. Ramasser après eux, quand les enfants ils ont terminé à jouer, ramasser juste les jouets. Si vous ne pouvez pas les ramasser seuls, demandez aux enfants de ramasser leurs jouets et les remettre en place. Ayez une place spécifique pour chaque chose. Ayez une place spécifique pour les jouets. Quand c'est les oreillers, vous les ramassez. Quand les enfants ont jeté, vous les remettez sur votre canapé. Quand les blanquettes, après avoir les utilisées, vous ne les laissez pas par terre ou sur les tapis ou sur le canapé en désordre, pliez-les, mettez-les dans les paniers juste à côté. Des petits trucs comme ça fera toute la différence. Si les enfants ont laissé les habits par terre, vous les ramassez, vous allez les mettre dans les paniers des habits sales, les chaussettes qui ça ne traîne pas au sol et ça va beaucoup vous aider. Autre chose qui va vous aider à garder votre maison propre et rangée, c'est la vaisselle et l'évier. Faites la vaisselle tous les jours. Ça, c'est tous les jours. En tout cas, il n'y a pas d'excuse. À moins que vous soyez malade ou que la santé ne permette vraiment pas. Mais la vaisselle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire deux fois la semaine ou trois fois la semaine. C'est quelque chose qui se fait au quotidien parce que la vaisselle sale attire beaucoup d'insectes, des moustiques et c'est juste pas intéressant. Mettez dans votre machine, si vous faites la vaisselle à la main, lavez les assiettes au moins tous les jours et rincez votre évier. Voilà, il y a aussi l'aspirateur. Passer l'aspirateur dans les endroits des trafics qui est très important, surtout pour les gens qui ont les enfants. Passer l'aspirateur au quotidien va vraiment aider votre ménage et ça vous permettra de garder votre maison propre et l'habitude de plier au moins un panier de linge tous les jours. Prendre juste 30 minutes pour plier les linges le soir ou le matin, je ne sais pas si vous êtes maman au foyer, même pendant la journée, ça va vraiment aider votre ménage. J'ai parlé de sortir la poubelle tous les jours. Donc, si ça ne vous dérange pas de la sortir tous les jours, tant mieux. Mais si vous n'aimez pas garder la poubelle plusieurs jours dans la maison, sortez votre poubelle tous les jours, ça va vous faire du bien. Ayez aussi un planeur où vous mettez vos tâches ménagères par écrit, ça va vraiment vous aider. Et c'est tout pour cette vidéo, c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour que je l'ai filmé pour vous. Je vais vous retrouver dans ma prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye!